chose. Matthieu chapitre 7 au verset 21 dit, ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur. Vous voyez? Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Christ dit, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Or, le même Christ dit encore, mon juste vivra par la foi. Ça dit que Christ se contredit? Non. Parce que la foi et les œuvres doivent fusionner. Ça doit faire un. Ça doit faire un. Vous voyez? Et maintenant, ce qu'on voit premièrement d'abord, c'est la foi. Et c'est les œuvres en même temps. C'est pour ça que Christ dit, je répète, dans Matthieu chapitre 7, verset 21, ce n'est pas tout homme qui me dit, deux points, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté, c'est quoi? La volonté de mon Père, c'est quoi? C'est d'obéir à sa loi. C'est d'obéir à sa loi. C'est d'obéir à sa parole. Et quand on obéit, c'est quoi? On appelle ça les œuvres. On obéit avec la foi. Donc c'est la foi, qu'on manifeste la foi pour obéir à cette loi-là. Et la loi, ça produit les œuvres. Est-ce que vous comprenez? Donc tous ceux-là qui sont égarés complètement, qui disent, qui veulent sortir des versets, que eux-mêmes ils ne comprennent pas. Ils disent non, mon juste vivra par la foi. Ah femme, va, ta foi t'a sauvée. Je vais répondre à tous ces versets que vous m'avez envoyés en disant, quand Christ dit à chaque fois, ta foi t'a sauvé, va et ne pêche plus. Cette femme-là, pour que la foi puisse les sauver, à chaque fois que Christ disait, va, ta foi t'a sauvé, c'est parce que j'ai accompli une œuvre avant que cette foi-là puisse les sauver. Je vais vous le démontrer. Donc, vous pouvez avoir tous les versets que vous voulez. Je vais vous le répondre. Parce que celui qui inspire la parole véritable, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Père. Et c'est lui qui alimente la parole. Et l'Esprit du Père est avec moi. Il est en moi. Je le dis. Je le dis. Que ça vous dérange ou pas, c'est comme ça.